하차입니다. Bon, je finis tous mes examens écrits. Demain, j'ai mon dernier examen à 9h. C'est l'examen oral. Et après, j'ai fini avec les examens de mi-semestre. Donc là, du coup, j'ai que 2 heures de sommeil dans le sang. Donc je suis dans un état déplorable. Je pense que je vais juste d'abord un petit peu aller à Daiso, juste là. Il me manque des trucs à la maison. Ma mère, elle m'a envoyé des épices, mais j'ai pas où les mettre. Du coup, je vais prendre des petits bocaux, des petites boîtes, là. Et let's go, guys. J'ai plus besoin de vous présenter Daiso, hein. Vous connaissez un peu si vous regardez mes vlogs. C'est un magasin, il y a tout et pas cher. Please check if you left anything behind. Okay, j'ai fini. Hello. 피곤해. 피곤해. 안에 멋진 하나 더 이게. Oh my everyday. Bon, on annule la mission GS25. See you, c'est moins cher. C'est dans la joie là qu'on va aller. C'est pour ça que vous avez inventé. C'est pour ça. Tout ce qui est Hershey's, incroyable. Ici, ça peut pas chercher Hershey's. Aïe, j'ai des nerfs. Il m'a mis un problème. J'ai envie de monter, de me dire que c'est le week-end et que ça y est, j'ai fini mes examens et que de toute façon, même si c'est raté, c'est raté. Bon, petite organisation cuisine et après je monte à une sieste. Voilà. Du coup, petit unboxing. J'ai pris un petit bol comme ça en pierre. Je veux mon riz grillé. J'ai pris des bougies comme ceci, des bougies Magnolia. Les Magnolia comme la mer. Avec des stickers et le pétillé. J'ai pris enfin un gant. Ça fait un an que je suis dans cet appartement, j'ai toujours pas acheté ça. Ergonomie 2 sur 20, mais c'est pas ça. Elle rentre même pas dans ta main, on dirait. Non, en fait d'accord, l'écart du pouce, il y a beaucoup d'écart. Sauf que là, regarde, mon écart il est là. Ça fait un sarouel. Mais regarde, c'est juste pour pas se brûler. Des bocaux. Pour mettre les épices que ma mère elle m'a envoyé. Et j'ai pris ça pour mettre les bougies. Je vais voir si mon idée déco elle a fonctionné là dans ma tête. Oui. Merci. Je propose lequel je mets sur mon tel. Celle-là, wesh. Alors calculez pas, tout ça vous voyez c'est quoi? C'est parce que c'est juste à côté de la plaque, du coup vous avez de l'huile, vous avez de la vapeur, du coup tous les jours en fait, ça se...
anyway. Pocha est sympa, la que sticker, wouh. Une sieste stratosphérique. Ma dernière nuit blanche, genre là, demain je passe mon examen à 9h, 9h15 c'est fini, j'en peux plus, je suis épuisée. C'est critique. Il est bientôt 5h du matin. Je vais faire une petite sieste jusqu'à 6h. Sauver les étudiants. Let's go. Hello. Bon, en fait, je vous explique. Là, je passe mon oral dans 5 minutes. J'ai pas réussi à réviser, ni à réviser efficacement, parce qu'en fait, comme je peux passer sur 10 sujets différents, en fait, je sais pas par quoi commencer pour réviser. Du coup, je suis bloquée, je lis un peu par là, un peu par ci. On dit bismillah et on passe, hein, c'est tout. Attendez, je vous dis quoi. On va voir si le freestyle commence à payer en coréen. J'ai fini. Examen down. J'ai parlé des familles monoparentales. Ensuite, il y avait un autre sujet. L'autre sujet du truc, c'était... Je devais parler de l'école française. C'est-à-dire le fonctionnement, les prix, les semestres, l'éducation, comment ça se passe, c'est quoi les matières les principales, gaga. Anyway. Je suis passée également sur la famille, mais genre ambiance en famille, moi. Qu'est-ce que je pense qui est important dans les relations enfants-parents. Et le dernier sujet, j'ai dû parler de mon astuce pour bien se concentrer. Anyway, donc voilà, j'ai fini quoi. Ça va jouer Animal Crossing. Ah non, mais là, c'est fini. Moi, je parle trop mal. Hein. Lundi, j'ai cours. Il y a un drama, il a été tourné ici. Ah, trop mignon, ils sont là. Bye. Est-ce que c'est le futulu ou pas? C'est à quelle heure le futulu? Un peu de salade. Elle est trop chou.
Let's go. Nouveau achat. Nouveau achat, nouvelle acquisition. C'est pas comme ça. Et t'as toutes les sparches. Oh my god. Regarde le petit prince. Ça donne pas. Oh. Etc. Alors là, du coup, on est samedi. La journée, elle est incroyable. Il fait trop beau. Une météo, t'as peur. Du coup, là, je dois vite fait passer à la banque parce que je dois payer mon semestre. Le temps de me prendre mon argent est venu. Ensuite, je rentre à la maison et j'ai une conférence. Ça va parler en fait du monde moderne, du lien avec le monde moderne et l'islam. Et après ça, je vais préparer à manger, mais je vous avoue que j'ai pas d'idée pour ce soir. Ok, c'est fait. Maintenant, je me dépêche de rentrer à la maison. Je prie et après je vais écouter la conférence. J'ai trop hâte là. Anyway, j'ai un peu la rage parce que mes cours ils étaient plus beaucoup plus lourds que ce que je pensais. Et comme j'étais en période d'examen, je vais me consacrer 100% à mes cours. Et du coup, en fait, tous les petits trucs religieux, tu vois, qui me font du bien, genre, j'ai pas pu les faire. Et un peu de wind. De temps même pour moi, de temps ni de dormir, ni le temps de manger correctement, de me faire un bon repas le soir. J'ai pas eu le temps à cause de mes cours, à cause de la période d'examen. Cette foutue période d'examen qui va me tuer un jour que ça continue. De toute façon, normalement, dernière ligne droite. Il me reste qu'un seul semestre. Ce semestre-là, je le finis. Après, il me reste un autre semestre jusqu'à septembre. Et après, si tout se passe bien, je rentre à l'université. Et là, ça va être beaucoup plus light, ça va être beaucoup plus tranquille. Islam and the Muslims has all the tools how to deal with this thing. And what they call it, fiqh al-nawazil, you know, the incoming in new issues, fiqh. For example, when you say, when Allah say, eat from it halal and tayyiban. Why halal and tayyib? Because not every halal is tayyib. Like soft drinks, for example, halal. Processed food or canned food, halal. But is it healthy? And then when we talk about healthy, we found in Quran amazing thing. Not only how to produce this food, it's also how to deal with the farmer. In Philippines, that was very strong because Philippines... Masque를 착용하세요.
J'ai fini. Écoutez, genre c'est franchement le truc qui m'a fait le plus de bien. Toute la journée, je suis en train de faire mes cours. Toute la journée, je suis en train de me consacrer à mes études, ou en train de me consacrer à ce que je fais sur internet, ou en train de me consacrer à mes occupations. Et en fait, quand après le soir, tu viens prier comme ça, genre tu te rends compte que genre tout ce que tu fais, c'est tellement insignifiant par rapport à ce que tu devrais donner à ton créateur. Genre, je suis super reconnaissante d'avoir cette religion. Et voilà. Et vous voyez, bizarrement, je pensais pas trouver autant de calme et de sérénité dans un quartier où il y a que des boîtes de nuit. Coucou. Bon, là, du coup, demain je vais en cours. Et du coup, toutes les deux semaines, on doit faire un test PCR pour éviter la propagation du virus. Donc, ils nous ont passé des tests antigéniques. Du coup, je vais en faire un tout de suite. Là, il est 1h30 du matin et je vais prendre une seau un peu en avance. Comme ça, en me levant le matin, je vais prendre juste un peu d'eau parce que j'ai du mal à manger quand je viens de me réveiller. Du coup, bismillah. Pourquoi la bouffe, c'est toujours meilleur le deuxième jour? J'aimerais comprendre ça. Donnez vos théories. Ils sont meilleurs que la première fois que je les ai cuits. C'est fou. En ce moment, je suis en train de me retaper The Promised Neverland. Et cet animé incroyable. J'ai hâte de la prochaine saison là. Parce que c'est une dinguerie.